Oh là là, la déprime, la météo. C'est l'horreur. Oh, oh, je suis dégoûtée, dégoûtée. Oh, vous êtes là, les amis. Ah, mais vous êtes surprenants, hein. Vous êtes où? On vous attend jamais. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu la météo? C'est l'enfer. Oh là là, on est au cœur de l'hiver, la totale. Tout ce que je déteste. Bon, aujourd'hui, on est le 14 février. Qu'est-ce qu'on fête le 14 février? Je sais plus. Il y a un truc à fêter, je crois. Mince. Ah oui, c'est la Saint-Valentin. Eh ben, bonne fête à tous les Valentins, hein? C'est ça qu'on dit. Allez, bonne fête tous les Valentins. Aujourd'hui, on va se faire quand même une petite recette. Ça va nous occuper et puis ça va nous donner du baume au cœur. Aujourd'hui, on va se préparer une recette que je voudrais dédier à tous les enfants de mes amis youtubeurs. Tous ceux que je vois sur les vidéos de leurs parents. Alors, je vais essayer d'en citer quelques-uns. Je pense à Laura, Lorena, à Elliot, à Margot, à Mycélium, à Malek, à Alizé. Vous tous, je vais vous faire une petite recette de ketchup aujourd'hui. Vous allez voir. On va se faire du ketchup, mais un ketchup assez spécial. Et je suis certaine que vos parents ont ce qu'il faut dans le potager pour pouvoir le refaire. Allez, on va se faire ça ensemble et vous allez voir, on va devenir de très très grands amis. À tout de suite. Alors, pour faire ce ketchup, il va nous falloir 2 oignons coupés en morceaux, 3 gousses d'ail coupées en morceaux, de la sauce tomate. Là, c'est ma tomate, mon coulis maison. Mais si vous n'en avez pas, vous achetez une boîte de tomates concassées, 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsa, 3 cuillères à soupe de cassonade, du sel, du piment, du paprika, de la coriandre moulue et des carottes. Et oui, on va se faire un ketchup à la carotte. Alors, j'ai oublié de vous dire que j'avais 500 g de carottes pour faire ma recette. Je les ai coupées en cubes et là, je les ai mis avec mon oignon et mon ail dans mon wok avec 2 belles cuillères d'huile d'olive. On va laisser ça rissoler. Allez, on va dire 5 minutes. Alors, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, on va ajouter le sucre. On va mélanger. Et on va mettre nos vinaigres, donc le vin et notre vinaigre balsamique. On mélange tout ça et on laisse à nouveau rissoler 2-3 minutes. Que ça caramélise un peu. Ça sent le vinaigre, ça sent bon, j'adore cette odeur. Allez, on laisse ça. Le feu est vif, hein. Alors, j'ai ajouté ma sauce tomate. J'ai mis mes épices, c'est-à-dire une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de coriandre et du piment. Alors, le piment, vous faites attention, c'est ça, hein. C'est des graines de piment. Donc pour les enfants, on fait gaffe. Nous ici, on n'est que des grands, donc on pimente. On aime ça, il n'y a pas de souci. Tiens, d'ailleurs, je remets une petite chouïa. Voilà, je sale. Ok, et maintenant, je vais laisser réduire jusqu'à ce que ça ait une consistance assez épaisse. Regardez l'aspect que ça prend. Aïe, aïe, aïe. C'est beau. Allez, je couvre. Alors, voilà le résultat après 1 heure de cuisson. Vous voyez, ça a bien épaissi. Les carottes sont cuites, hein, c'est ce qui est important. Et maintenant, on va passer tout ça au blender. Allez, c'est parti. On met notre sauce dans notre blender.
Alors, si vous n'avez pas de blender, vous pouvez prendre le mixeur plongeant, ça marchera aussi. Mais je trouve que le blender, quand même, fait des sauces. Et ça, pour la soupe, c'est valable aussi. Je trouve que ça fait quand même des sauces plus lisses, plus onctueuses. On met tout en une seule fois. Pas faire de bêtises. Voilà. Et on mixe. Et voilà ce qu'on obtient. Un ketchup de carottes. On va se régaler. Allez hop, au frigo. Ça y est, mon ketchup est refroidi. Regardez-moi ça. Superbe. Et ça sent divinement bon. Donc ce ketchup, on le mange comme tous les autres ketchup. Hein. Dans les hamburgers, c'est délicieux. Avec les frites, un bonheur. Et là, on va le goûter ensemble avec des petits bâtonnets de carottes. J'ai coupé des bâtonnets de légumes crus. On va se goûter ça. On prend quand même pas mal pour... Ah, les amis, c'est bon. Il est délicieux. Il est épicé. Faites attention. Si vous refaites pour vos enfants, attention au piment, limite n'en mettez pas. Il est vraiment épicé. Mais il est... Mamma mia, comment c'est bon. Bonheur. Les enfants, obligez vos parents à vous faire ça. Faites-le avec eux. C'est vachement sympa de cuisiner tous ensemble. Je regoute un petit peu parce que je n'ai pas trop bien senti. Oh, c'est trop, trop bon. Les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-là vous a plu. Refaites-le. Et puis, n'oubliez surtout pas les pouces. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. C'est bon. Ciao, ciao.